Je me rappelle, je suis sorti faire une promenade vers minuit. Les rues étaient vides. Et ça sentait un peu le gaz lacrymogène. C'était assez lugubre. Il n'y avait personne dans les rues. Et d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive. J'ai reconnu quelqu'un de l'équipe de la présidence. Et il m'a dit, il y a des gens qui savent beaucoup, qui m'ont dit qu'il n'aura pas de coup d'État. Et puis il est parti. Et on a appris donc les coups d'État assez tôt les matins. J'étais au mixage. Je préparais un autre film sur les coups d'État. Mais on a été un peu en retard. On devait commencer le 12 septembre le tournage. Et le coup d'État a eu lieu le 11. Et c'était un film avec une structure un peu... Je me souviens, j'ai dû perdre le scénario. C'était une structure un peu comme La Ronde. Donc A rencontre B qui rencontre C qui rencontre D. On fait les tours. Après, on revient à A, et puis on fait un autre tour plus court, un autre tour plus court. Je crois qu'il y avait trois. C'était donc une structure un peu en spirale. C'est drôle parce que je me rappelle plus facilement des structures des films que des films eux-mêmes. Et donc, en parallèle, évidemment, je menais une vague. J'avais un peu quitté tous les... Et, comment dire, les travails politiques, j'avais laissé de côté. J'avais commencé à travailler. Je devais rentrer officiellement comme réalisateur à Chile Film. Parce que Chile Film était en train de se constituer comme un organisme d'État de n'importe quel pays socialiste. Donc avec ses réalisateurs à plein temps. Et quand le coup d'État est arrivé, on les voyait venir, mais il est arrivé un peu abruptement. Et j'ai attendu un peu. On s'est tous un peu cachés. Et j'ai dit tous les gens de mon entourage, les cinéastes. Et quand le premier cinéaste, qui était Patricio Guzmán, est tombé en prison, j'estimais que c'était le moment de m'échapper. D'un coup, il y a eu une invitation d'un ami à Peter Lilienthal, un Allemand. Il avait trouvé quelque chose en Allemagne pour moi. Quelque chose, c'était une vague commande d'un film pour la télévision allemande, la ZDF. Et exactement un mois après le coup d'État, je suis sorti. Je me suis débrouillé pour sortir, on va dire, normalement. Et c'était assez compliqué, mais bon. Et Valérie est arrivée, mon épouse, et on s'est mis à faire d'autres projets ensemble. Mais en février, déjà, on était en train de tourner. On a tourné assez vite. Après, en mars, on a trouvé une petite commande de la Suisse pour les comités pour les réfugiés du monde, comment ça s'appelle, une de ces institutions des Nations Unies. Et après, le film Dialogue d'exilé a été un petit scandale. On l'a trouvé léger. Léger, c'est le mot. Enfin, c'était léger, c'est vrai. Mais je ne savais pas que c'était un défaut. Et puis, je commençais à préparer des projets. On habitait dans la partie d'arrière de la maison d'un tailleur, du magasin des tailleurs, où Valérie a travaillé dans des petits boulots. Elle gardait des chats, elle gardait des enfants, elle faisait la cuisine à droite et à gauche. Et moi, je préparais des projets l'un après l'autre. Et d'un coup, il y a eu... il s'est passé que quelques-uns de mes films sont arrivés en France. Je les ai montrés à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel.
Et j'ai bien tombé, ça c'est la chance. Il y avait un nouveau... c'était un programme qui s'appelait... c'était encore, il y avait l'esprit à Alina. C'était déjà les... Bon, on voulait faire des films plus proches, enfin, plus proches des spectateurs, de l'audience. On pensait pas faire de l'audience, mais quand même, un tout petit peu. Et on avait laissé de côté tous les films ultra-expérimentaux et on cherchait des films entre expérimentaux mais narratifs. Alors là encore, j'ai eu la chance parce que j'ai fait exactement ce genre de choses. Et puis un jour, j'attendais quelqu'un à La Une, la librairie La Une, c'était Michel Simon, je crois. Je me suis trompé des semaines. Je l'attendais un lundi et lui, il m'attendait le lundi d'avant. Et pendant que je l'attendais, j'ai lu un petit livre de Pierre Klossowski, La vocation suspendue. Je le lis complètement. D'un coup, je rencontre dans la rue un surréaliste, un monsieur Golfein, des surréalistes tardifs, et qui avait fait les sous-titrages du film Le Dialogue d'exilé. Alors je lui ai raconté l'histoire de la vocation suspendue, et il m'a dit, mais justement, demain, je vois Klossowski, je dois dire, il m'a invité à dîner chez lui. Et alors je lui parlerai de ça. Et je le rencontre après, quelques jours après, il m'a dit, tiens, et tout ça s'est passé dans la rue. Hein. C'était dans le meilleur style Nadia, le style breton. Je rencontre encore Rolfin, il me dit, ah, Klossowski, il n'imagine pas comment tu peux adapter une chose pareille. Il propose le Baphomet. Alors, je me précipite, j'ai lu le Baphomet, et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec le Baphomet? Et bon, de toute façon, il m'a invité à prendre l'été. Et en même temps, il m'a dit, mais comment voulez-vous les faire? De toute façon, il m'a dit, vous savez mon accord. Il m'a signé tout de suite une espèce de lettre d'accord pour les problèmes de la question des droits, où il écrivait mon nom, Raoul, c'est R-A-U-L, et Ruiz, mais comme Pierre-Louis, c'est R-O-U-Y-S, Raoul Ruiz. Mais bon, et alors, je trouvais, à l'époque, c'était Jean Baronnet, non, Alina, qui était chargé de commander des films à des gens insolites. Hein. Il avait Sayahid Rai, je crois, qu'il essayait de faire. Il avait eu déjà Godard, qui avait fait pour la première fois des films pour la télévision. Il avait Paul Leduc, un Mexicain, et un Espagnol, Franco. J'oubliais les prénoms. Ricardo. Ricardo Franco. Ricardo Franco. Et Jean Labrune, je crois bien. Et il y avait même Claude Simon. Bon, je me rappelle comme ça. Donc c'était insolite. C'était pas... Et puis ça s'appelait... c'était une série qui s'appelait Caméra Jeu. Comme jeu de monde. Et... Les génériques, l'habillage, comme on dit aujourd'hui, non, c'était fait par Bob Wilson, je crois. Donc ça s'est voulu janséniste dans le sens que, à la fois sévère et mondain. En passant par la mondanité, de faire quelque chose de quand même un peu chic. Alors je me suis trouvé avec une commande de scénario. J'ai commencé à l'écrire sans trop y croire. D'un coup, j'ai commencé à devenir un peu sceptique et pessimiste. Et j'ai eu la chance, simplement, ça s'appelle comme ça,
Et on a accepté, on l'a accepté parce que c'était dans les cadres de quelque chose d'expérimental et en même temps narratif. Les scénarios, je l'écrivais en espagnol. J'écrivais les dialogues en espagnol et les poètes, lui, Dallafiore, les traduisaient dans un français assez... un français travaillé, laborieux, rhétorique. Je lui avais demandé de faire rhétorique parce que j'étais complètement sourd à... Enfin, j'entendais pas les nuances de l'argot, évidemment, de la langue de tous les rues, tandis que dans la rhétorique, je me trouvais. Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre la puissance spirituelle de la méchanceté qui est dans les lieux célestes. La bonne idée que j'ai eue, c'est de mélanger des comédiens et des non-comédiens, mais je ne cherchais pas chez les non-comédiens le naturel, la vérité, l'effet de vérité, mais le contraire, c'est-à-dire... j'ai choisi des gens qui parlaient d'une manière qui, pour moi, c'était assez artificielle, parce que c'était déjà une mise en scène que chacun avait fait de soi-même. Et simplement, je demandais de garder cet aspect, et ils l'ont fait. Entre-temps, j'avais fait la rencontre des gens des Cahiers du cinéma, dont cette espèce de jansénisme pur et dur me fascinait assez. Et il me faisait rigoler surtout, et rire pas méchamment, mais enfin j'ai trouvé quand même réjouissant que des gens qui pouvaient prendre si au sérieux des petits films que personne n'avait vus, qui étaient passés une seule fois quelque part, et puis on lui consacrait des dizaines de numéros, on les décortiquait, on l'analysait. Tous les premiers films de Straub, tous les films et d'autres petits films français qui, bon, j'oublie. Et donc j'avais rencontré ces gens-là, Serge Danet, des gens dans le sérieux total et bon vivant en même temps. On faisait souvent des grands repas. Je les ai fait découvrir la cuisine chilienne qu'ils classifiaient selon les noms des revues d'avant-garde. J'ai cuisiné un plat, il disait, ah oui, ça c'est la nouvelle revue française. Et puis je faisais un autre plat, il disait, ah bon, ça c'est plutôt tel quel. Voilà, c'est... Et j'ai donc décidé, comme ça, un peu abruptement, de donner à Pascal Bonisserre le rôle principal de La vocation suspendue. Et puis j'ai mis tous les mots, il y avait des rôles secondaires joués par d'autres membres de Cahiers comme Pascal Canet. Et puis d'un coup, j'ai vu, dans l'hypothèse du tableau volé, et il y avait carrément tous les Cahiers du cinéma, en prenant des pauses comme ça, faisant partie des tableaux vivants un peu troubles. J'avais rencontré entre-temps Sacha Vierny, et on a beaucoup... il aimait beaucoup les pastiches au cinéma. C'est-à-dire faire les pastiches, par exemple, dans La vocation suspendue, on a fait une version couleur des pastiches et en noir et blanc aussi, mais c'était les frères Agostini, qui faisaient l'éclairage de la messe du dimanche à l'époque. Et qui avait fait les premiers films de Bresson, je crois, et tous ces films catholiques, non, Léo Joannon, je crois bien, tous ces films de Pierre Freinet, où Pierre Freinet était curé, ou était aristocrate, je ne sais pas, qu'on aimait beaucoup. Nous, on les voyait à l'école des curés à Valparaiso. Et moi, je les aimais beaucoup. Et le tournage a commencé, c'était très curieux parce que c'était un tournage, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est de l'expérimental, si on veut. C'est de l'expérimental avec
des moyens presque industriels, avec une dizaine de camions, enfin avec... C'était les moyens de la ORTF. Alors on a commencé à tourner, et puis on a dû arrêter une semaine après, ou deux semaines après, parce qu'il y a eu une grève des comédiens. Et la grève a duré, je crois, 2 ou 3 mois. Pendant ce temps-là, et j'avais présenté comme ça un projet de court-métrage et qui a eu l'aide au court-métrage. Et pendant que j'attendais la fin de la grève, j'ai fait Colloque des chiens, un court-métrage qui a eu c'est la première ou deuxième fois qu'on avait les Césars. J'ai eu un César, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, parce que normalement, c'est un court-métrage qui est sorti 2 ou 3 jours dans les salles. Donc, et il a dû avoir une centaine de personnes qui l'ont vu. Et donc après, le film a recommencé. On l'a fini, on l'a terminé. C'était une autre époque. Je l'ai présenté pour la direction et... Et la personne chargée, la directrice, c'était Manette Bertin. Madame Bertin a dit « C'est merveilleux, personne ne va rien comprendre. » Et ce qui a été le cas, effectivement. Au fond, dans ces films, il y a toutes les tendances de l'Église qui se confrontent. Et je me suis dit que ce n'était pas très différent de la lutte idéologique à l'intérieur des partis de gauche. Ben voilà un film sur la gauche qui ne va pas m'embêter, personne va. Les gens ne vont même pas s'apercevoir que c'est sur la gauche. Et ce qui est drôle, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, La vocation suspendue, un peu pour voir ce que j'avais fait et qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas avoir fait, etc. Et j'étais surpris de voir que ce film est un film sur les querelles extrêmement virulentes d'aujourd'hui. À l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire que ces querelles que je croyais mortes depuis longtemps et qui ne servaient que de masques à des querelles de la gauche de l'époque, c'est les querelles de la gauche qui sont mortes et c'est les querelles du Moyen-Âge, si on veut dire, de les scolastiques qui sont devenues extrêmement violentes de nos jours. D'un coup, j'ai eu l'idée de faire une espèce de documentaire indirect avec Pierre Klosowski et des tableaux vivants, quelque chose comme ça. C'était l'idée. Il y a une expression magique. Quand on allait faire un film, et on vous donnait un numéro. Ce numéro voulait dire tout simplement que le film allait se faire. Une fois qu'on a un numéro, c'est irréversible. Un numéro d'affaires. Un numéro d'affaires, voilà. Et alors j'ai eu le numéro d'affaires, je me souviens, parce que j'ai terminé le contrat un mercredi, le contrat de La vocation suspendue, et jeudi commençait le contrat de ce film qui s'appelait encore Tableau vivant, et qui devait s'appeler L'hypothèse du tableau volé. L'idée c'était de montrer un peu le système, disons, philosophique de Pierre Klosowski, et à travers des tableaux vivants qu'il allait commenter. Une chose, c'est tous les jeux autour de l'érotisme. Autre chose, c'est autour de Sade. Puis il y a Nietzsche, puis il y a la religion. Il y a toutes sortes de thèmes. Et surtout, il y a cette obsession de trouver des secrets cachés dans les tableaux, les tableaux de la peinture bourgeoise du 19e siècle. Mais Klosowski, d'un coup, il est parti en vacances. C'était... Il ne pouvait pas déplacer les vacances. Je ne savais pas que c'est... Et puis, il y avait un autre film qui était en train de se faire, où il devait jouer comme comédien, et le réalisateur préférait que Klosowski s'épargne pour ce film, qu'il ne se montre pas trop, et donc je suis resté sans les sujets, l'objet du film. Donc pour un moment, on a hésité si on le faisait ou on ne le faisait pas. Finalement, je me suis mis à écrire un scénario à la manière du Klosowski. C'est ce que j'ai croyé. En tout cas, le résultat, c'était plutôt à la manière de Raymond Roussel,
Mais bon, je l'écris où il y a un collectionneur qui montre des tableaux, où il croit qu'il y a un secret, qu'il lit tous ces tableaux, et ces secrets est montré si on utilise la technique des tableaux vivants. Et c'est curieux que toutes ces choses qu'on a fait, nous, un peu, mais un peu comme des films cryptiques, si on veut, avec un mystère à l'intérieur, tout ça est devenu, avec les temps, fait par d'autres gens, et c'est ce qui constitue en ces moments le centre même des best-sellers. Non, l'écho d'Avancy, la règle des quatre, il y a, doit avoir une bonne trentaine maintenant de best-sellers qui sont tous faits sur les principes de l'ésotérisme, d'un ésotérisme un peu travaillé, trafiqué, moins poétiquement, je trouve, maintenant. Mais à l'époque, ce qu'on a fait, nous, c'est de jouer avec l'ésotérisme français du 19e siècle. Tout ça pour ainsi dire mis au service de ces multisystèmes philosophiques de Pierre Klossowski. Mais Jean Rougeau, il faut savoir qu'il est un des fondateurs du groupe Octobre, donc c'est plutôt un poète, il avait été utilisé en tant que non-comédien par Fellini. Dans 8,5. Et c'était drôle parce qu'il avait la réputation d'oublier ses textes. Il avait parfois une ligne ou deux, il les oubliait toujours. Mais j'avais senti qu'il était bavard. Enfin, qu'il aimait bien parler et avec des phrases assez longues. Pour un français, c'est quand même pas souvent le cas de voir un français qui s'étend comme ça avec des phrases intercalées, des choses en reprenant les mots, les phrases, et en fait ça une espèce de discours cubique, cubiste. Et lui, il était comme ça. Alors je lui ai montré un documentaire fait par Benoît Jacquot sur Lacan. Il faut pas faire ça, elle émite les bruits, mais c'est l'esprit qu'il faut garder, c'est-à-dire quelqu'un qui fait justement ce que la langue française en principe ne fait pas, c'est-à-dire il change les sens pendant qu'il parle. Et il a dit, ah non, mais je le connais bien, il était ami, ça je ne savais pas. Il avait connu longtemps, pendant la guerre, Lacan. Il avait donc, c'était même très ami, parce que comme Lacan, il avait des amis comédiens, artistes. Alors il a fait son interprétation de ce que je lui ai dit. Parce que moi, je marque jamais directement les gens. Je donne des indications 2 ou 3 semaines à l'avance et toujours de manière indirecte. Et en France, en tout cas, ça marche. C'est si je marque le comédien va d'abord faire le contraire. Il va faire ce qu'on lui demande, mais dans sa tête, il ne va pas être d'accord. Il va faire la critique. Donc, pour que ça doit se passer une semaine, 2 semaines avant, si possible, et puis la chose va bien se mélanger au dernier moment. J'ai toujours aimé un peu l'imprécision, si on veut, l'imprécision des mises en scène, une imprécision bien réglée, mais hein, où on laisse des choses au hasard. C'est pas pour trouver une espèce de spontanéité. C'est bien au contraire, pour faire sortir la machine. C'est là l'expression chilienne « mostrar la hilacha », c'est quand les personnages muestran la hilacha. Alors, Diane Chasseris, là j'ai fait une chose que Klossowski, je crois bien, ne m'a jamais pardonné. Il m'a dit « Ah, je ne pardonnerai jamais ça ». J'ai cassé l'arc de Diane Chasseris, l'arc est cassé, et à la fin du film, il y a un personnage qui fait vaguement penser à Nietzsche, mais ceux qui connaissent Klossowski l'identifient et reconnaissent tout de suite ce personnage, qui a aussi l'arc cassé. Et alors là, c'est, évidemment, ça touche toute l'idée du temps, les temps séculaires, toutes ces idées qui viennent à l'esprit chaque fois qu'on pense à Nietzsche. Et ça, je crois bien que je l'ai fait simplement pour l'embêter. Après, ça a dû trouver un sens, mais je l'ai fait pour...
au début pour l'embêter, simplement. Évidemment, ce sont deux tableaux différents, mais qui sont connectés et direct et indirectement. Indirectement par les poses, et que tous les tableaux se lient. Il y a un miroir, je ne vois pas bien où il est. Ah oui, là. Ce miroir va... on a fait un rayon de lumière qui va communiquer avec un autre tableau. C'est le premier de la série. Et voilà. C'est-à-dire que c'est une des premières fois que j'ai commencé à jouer et à passer d'un monde à l'autre, d'une situation à une autre, d'un temps à l'autre, simplement en faisant les personnages répéter les personnages au personnage, soit la pose, une pose, soit tout bêtement un geste. Celui-là va se répéter dans d'autres tableaux. Ces personnages aussi, c'est un geste très clair qui va se répéter. Et les personnages même, et ce modèle-là, il est là, je crois bien. Et la pose est accentuée souvent parce que les personnages bougent un tout petit peu. C'est-à-dire, ils ne se tiennent pas, ils ne se fichent pas. Et là, j'avais pris simplement des photos d'époque, des faits divers, pour composer les tableaux du scandale, qu'on appelle les tableaux, où il y a où les tableaux même est fait un peu à la manière des illustrations des faits divers du début du siècle dans les revues populaires. Alors voilà, j'avais demandé à Sacha Vierny de faire une lumière qui soit à peu près celle de la lumière qu'il avait fait pour La Belle et la Bête. Ariel et Kahn. C'est encore un malentendu un peu, oui, assez drôle. J'ignorais que Alécan était encore en vie. Je croyais qu'il était mort depuis longtemps. Et en fait, après on l'a rencontré, j'ai fait quelques films avec lui. Et je crois que c'est Sanglier, je le connais. Je crois que c'est un sanglier qui appartient à quelqu'un qui est un ami de Bruno Boger, le décorateur, parce que je l'ai eu sur plusieurs films. Je crois qu'il était encore dans ce jour-là. Il y a une expression que j'aime bien de Borges, en espagnol, une œuvre dit « arroja una luz ulterior ». C'est-à-dire, à Mozart, il y a du Stravinsky. Dans les variations d'Abelli, il y a déjà la tonalité. Mais ce n'est que parce que Schoenberg a existé que cette atonalité, on peut la percevoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a constamment un va-et-vient. Et tous ces effets des spirales compose des œuvres non écrites, non faites de l'avenir et du passé. On dirait aujourd'hui, avec les nouveaux biologistes, c'est des résonances. On n'a pas besoin de connaître une œuvre pour être influencé par elle. Or, le cinéma n'est fait que des résonances. C'est ça qui les rend aussi impuissants à produire des chefs-d'œuvre dans les sens classiques et en même temps les rend si riche pour multiplier les possibilités d'une création arborescente.